Alors, voici le tapissimo, juste un petit bout qui est très court, qui a un peu de manipulation. Donc, il se compose de quatre personnages avec dans l'ordre d'apparition la poule et sa très grande écharpe qu'il va falloir entourer ensuite autour du cou des autres personnages, l'oiseau, le lapin et enfin le renard. Et le reste du tapis, ça représente un décor de la neige. On peut cacher le lapin et le renard sous le tapis, sous le côté sur le côté avant de les faire apparaître ensuite. Il est très facile à manipuler, il n'y a pas d'autres difficultés a priori. Ça y est, l'hiver est là. Léa a bien chaud avec sa longue écharpe. Donne-moi un petit bout de ton écharpe, lui demande l'oiseau. J'ai tellement froid. Bien sûr, répond Léa, en serrant tendrement l'oiseau contre elle. Il fait très froid ce matin, dit Lapin. Je suis gelé. Donnez-moi un petit bout de votre écharpe. Mais oui, Lapin, viens te réchauffer près de nous, répondent Léa et l'oiseau. On est bien comme ça, tous les trois. Quel froid, les amis, dit Renard. Je suis gelé. Donnez-moi un petit bout de votre écharpe. Léa, l'oiseau et Lapin se regardent Renard. Ils se méfient. L'écharpe est trop courte de mon côté, dit Lapin. Impossible, je suis au milieu, je ne peux pas bouger, dit l'oiseau. Ce bout d'écharpe est vraiment trop petit, dit Léa. Alors, tant pis, dit Renard. Léa, l'oiseau et Lapin regardent Renard qui s'en va. Juste un petit bout alors, lui crie courageusement Léa. Ah, mes amis, je savais que je pouvais compter sur vous. Vous êtes vraiment adorables.